Copilote, info trajet, on est où là? Copilote, info trajet, où est-ce qu'on est? Chérie, c'est toi le copilote? Ben oui, non mais concentre-toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé, chérie? On dirait que tu t'es fait taguer. Ah ben oui, mais on se maquille pas à 180 en plein désert, ça c'est sûr. Hein. Bon, regarde sur ta carte, où est-ce qu'on est là? On est en Navy Lob? D'accord, je t'ai déjà expliqué, c'est pas parce qu'on est dans l'hémisphère sud qu'il faut que tu tiennes ta carte à l'envers. Donc, tourne là, on est en Bolivie, ouais, c'est mieux, ouais. Merci. Soit je sais même pas pourquoi je te demande à toi, tu n'as aucun sens de l'orientation. Non, chérie, aucun, arrête. Hier, tu t'es quand même perdu dans la voiture, faut le faire. Mamie, vous pouvez dire à Serge d'arrêter de me cracher dessus, s'il vous plaît, ça serait sympa. Hein? Bon, chérie, concentre-toi. Je sais que t'es pas venu pour ça, je sais que t'es venu juste parce que la chirurgie esthétique, c'est moins cher au Brésil qu'en Europe. En même temps, quand on voit le résultat, on sait pourquoi. Hein? Mais non, ils sont très jolis, tes nouveaux seins. Bon, ça aurait été plus joli si tu les avais mis devant, c'est tout. Bon, quelle est notre position, chérie? On a le nord devant, d'accord. Et le sud au cul, très drôle, Jérémy, ça. Très, très drôle. Nicolas, tu peux dire à Serge d'arrêter de me cracher dessus, s'il te plaît, ça fait deux fois. Nicolas. Chérie, il est où, Nicolas? Comment ça, il est resté en Colombie? Non, on fait pas demi-tour, hein. Non, mais t'inquiète pas, chérie, Nicolas, il est débrouillard, il va s'en sortir. Puis il est grand maintenant, hein, il a 7 ans quand même. Flash info, un enfant de 7 ans abandonné lors du Dakar a été kidnappé par un groupe terroriste appartenant au FARC. Plus d'informations dans notre journal de 17. C'est bon, t'es rassuré, il est pas tout seul. Et ne t'inquiète pas, chérie, on le récupérera dans 4 mois, c'est les élections. Hein? Et puis voilà, il savait pas quoi faire de sa vie, bah au moins il rentrera, il écrira un livre, il se fera une fortune. Merci qui? Merci papa. C'est pas toi qui aurais fait ça pour lui, hein? Non. Ah, mais il va arrêter de me cracher dessus, c'est pas possible, Serge! Mamie, c'est très gentil d'avoir ramassé ce pauvre lama au bord de la route, mais là, il commence vraiment à me fatiguer. Plus Serge pour un lama, c'est ridicule, hein? Bon, concentrez-vous un peu, là, y'a que moi qui suis dans la course. Non, ben si, concentrez-vous. Ben si, chérie, excuse-moi, je suis le seul qui est dedans, mais en même temps, j'ai plus d'expérience que vous, c'est normal. Ben j'ai quand même fait le Camel Trophy, le World Championship Trophy, l'European Trophy. Et même une époque, j'ai fait pas mal d'hypertrophy, je me souviens. Donc, excuse-moi, je suis plus calé que vous, hein? Oh là! Vous avez vu, c'était la voiture de Clara Morgan. Elle a eu un accident. Elle a dû faire un tête-à-queue. Bon, merde! Ah voilà, ben super. En plus, on n'a plus d'essence, génial. Bon, chérie, regarde sur ta carte, où est-ce qu'on est? On est dans la pampa. Bon, ben bonne nouvelle, on devrait trouver une pampa essence. Oh, c'est une blague, chérie. Jérémy, passe-moi de l'eau, s'il te plaît. Jérémy, passe-moi de l'eau. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est mou, ce Jérémy? Ben si, excuse-moi, il est mou. À l'arrivée de la dernière étape, il a quand même réussi à se faire renverser par une voiture en panne. Excuse-moi, faut le faire. Bon, on est où? On est... Tu sais pas? Bon, ben écoute, si on est perdu, c'est simple. Voilà, moi j'arrête. Non, mais si tu sais même pas où on est, chérie... L'année prochaine, on fera les 24 heures du Mans. Ah ouais, t'as raison, super. Ouais. C'était les 24 heures du Mans, tu pars du Mans, tu roules pendant 24 heures, à fond les ballons, et t'es toujours au Mans. Super. Non, de toute façon, vous me fatiguez, voilà, moi je sors. Ça, chérie, c'est pareil. Hein. Non, mais c'est très gentil à ton frère de nous avoir sponsorisé, c'est très classe, le Bureau International des Techniques Écologiques. Mais pourquoi il nous a mis que les initiales de partout, là? Ben non, mais on passe pour des guignols, nous, hein. Bon, de toute façon, si je veux avoir une chance de gagner, je vais finir avec Serge, et puis voilà. Allez, viens, Serge, viens, allez. Bon, on se retrouve à Sucre, ok? Non, Jérémy, Sucre, c'est la capitale économique de la Bolivie, voilà. Puis comme mamie a du mal à marcher, on lui en profitera pour lui acheter une jolie canne à Sucre. Moi aussi, je peux faire des blagues pourries. Allez, Serge. Pourquoi il avance pas? De quoi, mamie? Ah, c'est pour ça que vous l'avez appelé Serge, d'accord. Je suis malade, et ben voilà, complètement malade. Allez, on se retrouve à Sucre! Artus! Ah ben écoutez, je crois que ça vous a bien profité, le Dakar, au fond, Artus. Et Clara Morgan, là, vous n'êtes pas loin de la vérité, il y a une voiture sponsorisée par Marc Dorcel. Hein. Ah ben voilà. Et oui. Une voiture ou une moto? Une moto, précisément. La moto numéro, c'est pas un hasard, 69. Je vous jure que c'est vrai, le pilote, le motard, s'est fait sponsoriser par Marc Dorcel, le fameux producteur de films X. Et sur la moto, il y a une jolie... Alors, je ne sais plus quel est le nom de l'actrice porno parce que j'ai oublié, mais elle est la marraine, du motard. Et puis ces motos-là, ça pompe. Hein. Artus, vous voulez des points en moins maintenant, là? Ah bah oui, maintenant, une fois qu'on a noté, il fait ça. C'est pas honnête, hein.
Allez, Anne-Sophie, vous lui donnez sur 20. 16. Elle décolle pas du 16, Anne-Sophie. Jean-Benguigui. 16 aussi. Catherine. 14. Ah, un petit coup de mou du côté de chez Catherine. Ben moi, écoutez, je n'ai pas boudé mon plaisir, comme dirait l'autre. Et comme Donnel, je vous mets 18, voilà. Catherine, qu'est-ce qui vous a déplu ? Non, mais pour moi, c'était très bien parti, jusqu'à la moitié. Et à la fin, j'ai trouvé que c'est long et que ça se perdait. À partir du moment où il sort de la voiture, j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment de chute. Donc là, j'ai enlevé quelques points. J'étais aussi à 16 ou 17 et j'ai trouvé que la deuxième partie était trop longue et beaucoup moins efficace au niveau de l'écriture. Jean Benguigui. Non, moi, j'ai bien ri. C'est une bonne idée de mettre toute la famille sur le Dakar. Ouais. C'est complètement surréaliste, c'est très bien. Avec le lama qui s'appelle Serge, c'est une invention exceptionnelle. Mais ça me fait rire, c'est con mais ça me fait rire. Donc j'ai beaucoup ri, je trouve que tu as retrouvé une énergie que tu avais un peu perdue ces derniers temps. Et c'est ça que je note, c'est ton retour, ta perte de poids et ton surplus d'énergie. Voilà. Anne-Sophie. Moi aussi j'ai bien aimé le concept du Dakar en famille. Je trouve que c'est très bien écrit, il y a plein de petites vannes, des bonnes trouvailles. Je trouve ça très bien. Bah, c'est-à-dire que moi ce qui me plaît, pourquoi j'ai mis 18, c'est que c'est bien écrit et surtout dans son style d'écriture, on va dans différents genres d'écriture. C'est vrai qu'il y a des jeux de mots parfois faciles, j'en avais donné un, mais il y en avait d'autres. Mais il y a aussi parfois des trucs beaucoup plus malins, beaucoup plus fins, ou, voire même surréalistes ou de non-sens. Et c'est un mélange de tout ça. Ça que j'aime, moi, chez Arthur, c'est qu'il arrive à faire une sorte de tutti-frutti, de mayonnaise, avec, je sais pas, par exemple, on le récupérera dans 4 mois parce que c'est les élections. C'est malin, ça veut dire. Il y a un petit truc politique au passage. Hier, tu t'es perdu dans la voiture. Ça, c'est pas un jeu de mots, mais c'est rigolo, c'est une bonne vanne. Il est tellement mou, il s'est fait renverser par une voiture en panne. Ah ouais, bon, moi, ça me fait. Voilà, bravo, moi je dis bravo. Voilà. Merci. 2 x 16 plus 14 plus 18, ça fait un total de 64. Abonnez-vous en cliquant ici.